Ok, c'est bon. Okay, là, il fait vraiment frais. Il y a plein d'arbres et tout. C'est vraiment frais. C'est juste dommage. Ils n'ont pas fait les protections là. Juste peur de tomber. Ah, c'est vraiment calme. Mais c'est frais, sérieusement. Quand tu viens ici, c'est vraiment frais parce qu'il y a plein d'arbres et tout autour. Il y a de l'eau, mais elle est dégueulasse quoi. Ça, c'est les gens à l'ancienne, tu vois, ils jetaient tout leur papier, leur merde et tout. Ah, mais c'est le calme. Écoute, sérieusement, c'est le calme. T'entends presque rien du tout quoi. C'est vraiment le calme quoi. Elle est belle, sérieusement, moi je kiffe la vie en Thaïlande. Je le dis souvent, mais vraiment, moi je kiffe, sérieusement, je kiffe. Tu vois, j'ai vécu en France, mais sérieusement, moi la vie en France, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. J'aime pas du tout la vie en France. La culture, le style de vie, ouais, j'aime pas, sérieusement, j'aime pas. Si tu te... Oh là, oh là, putain, c'est quoi ça? Ce gros truc là qui est sorti. Putain, le gros lézard, c'est un mer. Vous arrivez à voir là-bas? Voilà le gros lézard et tout. Oh là. Oh putain, il y en a plein. Oh là. Il faut que je fasse gaffe là. Maison ici, c'est le bordel. Je sais pas si vous arrivez à voir le gros lézard là-bas. Putain, apparemment il y en a plusieurs quoi, mais ça c'est le bordel ici hein. Oh là, c'est dommage, tu vois, ils ont un beau truc là où vivre, mais regarde, ils têchent tout quoi, ils têchent tout, ils font pas attention, ils têchent tout. Ça, sérieusement, ça fait mal au cœur quand tu vis dans un truc comme ça. Il faut faire gaffe quoi. Oh, heureusement il est parti. Putain, m'a fait fibrer sa mère. Ok. Oh là là là. Eh, c'est dommage, sérieusement, c'est dommage. Les mecs, tu vis dans un. Ah, après, voilà, il faut que les gens s'organisent, quoi. Il faut pas être teubé, quoi. Vous mettez des poubelles tous ensemble. Ça, c'est à l'abandon, ça, c'est clair, quoi. Ça, c'est... Oh là, le petit lézard, là. Vous arrivez à voir, là. Ça, c'est les constructions à la va-vite, quoi, à l'ancienne. Hein. Les mecs, ils avaient pas où vivre, tac. Et du voilà, là je construis mon truc. Et hier je suis pas passé à gauche, je suis parti tout droit et je suis sorti dans un coin. Et là je sais pas si je vais à gauche, je vais tomber dans un. Je vais sortir dans un autre endroit où c'est un cul-de-sac quoi. Je vais essayer de tester. Sérieusement, c'est dommage, les gens ils ont. C'est un beau truc parce que je suis. Je sais pas si vous êtes parti en Malaisie. En Malaisie, quand vous allez à Penang, l'eau elle est vraiment nickel. Elle est propre et tout. Et les gens ils vivent. C'était. J'ai complètement oublié le nom. GT ou un truc comme ça quoi. C'est juste à côté de la station de bus à Penang. Et l'eau, les gens ils vivaient comme ça. Tu vois, c'était des maisons sur l'eau. Et c'était nickel quoi. L'eau c'était nickel, c'était propre et tout. Ils jetaient pas de la merde comme ça. Là c'est vraiment crado, sérieusement, c'est dommage, sérieusement, c'est dommage. Quand tu vis dans un truc comme ça, t'es... Non, là, c'est vraiment dommage, ça, c'est vraiment dommage. J'ai remarqué en Malaisie, c'est beaucoup plus pro qu'en Thaïlande, hein. Les gens font beaucoup plus attention à la propreté, quoi. La ville, elle est vraiment propre comparé à la Thaïlande. Hein. Je vais pas dire, ouais, la Thaïlande. Ok, moi, je kiffe la vie en Thaïlande, mais tu vois, c'est pas. Comment dire. Tout n'est pas bien, quoi. Il y a des trucs qui peuvent améliorer, quoi. Genre, comme ça, les mecs, au lieu. Ça, c'est mortel, tu vois. Ça, c'est mortel. Vraiment, c'est mortel. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, là. Genre un pied de terrasse devant l'eau. Putain, mais si elle était plus propre, ça aurait été beaucoup mieux, quoi. Sérieusement, ça aurait été beaucoup mieux. Si c'était un truc comme ça en France, ce serait déjà tout construit. 20 000 ou 30 000 euros le mètre carré. Ah,
Ah ouais, je crois que je sais où je vais sortir. Je crois que je sais où je vais sortir. Je sais pas les gens comment ils font pour venir jusqu'ici. Est-ce qu'ils viennent par ici ou ils traversent par là? Je sais pas quoi. Des endroits comme ça, je l'aurais jamais fait en voiture, hein. Heureusement, j'ai pris mon vélo. Normalement, moi, je vais avoir mon permis de conduire en moto, voiture. La meuf à Pattaya, elle n'a pas encore fini les trucs. Normalement, je devais passer la voir demain. Mais elle m'a dit, ouais, elle n'a pas encore fini. Elle me dit, ouais, si tu peux passer lundi, vas-y, ouais, c'est pas grave. Déjà, de toute façon, ma voiture, elle n'est pas encore finie. J'espère qu'il va la finir aujourd'hui. J'ai jamais vu un mécanicien aussi long que ça. Je vais aller doucement là parce que là il n'y a pas de protection, rien du tout. Si tu tombes, tu es dans la merde. T'es mal, les mecs à l'ancienne, ils ont mis une porte à l'extérieur, c'est-à-dire quoi, il y avait un chemin quoi. Je mets pas une porte à l'extérieur comme ça. Aventure là, gringo en mode aventure. Ouais, sérieusement, c'est sympa. Mon quartier est vraiment sympa. Tu trouves des petits coins de village quoi, des petits coins de village qui sont pas mal. Ok, là je sais à peu près où je sors. Ok, parce que tout le temps je me disais comment où je vais sortir de l'autre côté. Ah, je vais pas boire un café, putain, je viens juste de boire un le matin là, donc ça a rien du tout. J'ai plus à aller me chercher un truc à boire, genre une petite boisson.